samedi soir, petite heure de musculation, je vais faire des squats, je vais faire tout ce qui est haut du corps, je vais un petit peu mélanger parce que les squats, si tu les enchaînes tout de suite, t'as mal à la tronche, quoi. Je veux dire, tu... Ah, comment te dire, t'as mal aux pattes, quoi, je veux dire, au bout d'un moment, tu vois. Donc, petite musculation sympathique. Haut du corps plus squat, et puis demain ça sera la sortie de vélo quotidienne du dimanche matin. Donc voilà, là je viens de finir le gainage. Donc j'ai fait un gainage de à peu près 10 minutes, bon je t'ai pas tout mis dans la vidéo, 10 minutes un quart d'heure, et puis maintenant on va se retrouver avec de la musculation. Donc j'ai fait déjà mon échauffement de squat avec une barre à vide, et puis j'augmentais un petit peu les poids, un petit peu de soulevé de terre aussi que je dois faire, donc il y a quand même pas mal de choses, donc voilà, on y va. Terminé, j'ai fait trois séances de squat, j'ai fait trois séances de pec, j'ai fait trois séances de biceps, j'ai fait du gainage, enfin, j'ai fait pas mal de choses. Alors j'arrive pas à faire tout ce que me dit mon entraîneur, parce qu'il y a des choses que j'essaie d'assimiler, de bien les faire, donc je vais pas me blesser. Donc il y a beaucoup d'exercices, mais bon déjà les squats je sais faire, les soulevés de terre je sais faire. Donc déjà le soulevé de terre je n'en ai pas fait aujourd'hui, mais bon parce que j'avais un peu mal au dos, donc j'ai préféré garder la colonne vertébrale droite. Et puis on se retrouve demain pour une sortie du dimanche matin, 2 heures de vélocité. Raconter un truc, tu vas pas me croire. Tu sais ce qui s'est passé tactiquement aujourd'hui, c'est vélocité. Donc vélocité veut dire tourner les papates, tranquille, reprise, tranquillou. Quoi. Bon, le problème c'est qu'il y a des chasseurs. Voilà. Je suis passé dans une forêt, t'imagines le truc, ils ont tiré quoi. Donc le problème c'est que j'ai fait de la PMA. Voilà.
comme tu peux entendre derrière moi, il y a un tracteur, il y a un mec qui est en train de nourrir ses vaches. Ça, c'est aussi la Normandie. Donc là, on est. Ils sont pas assez. Ils sont pas rapides, faut bouffer la blatte. Hein. Faut bouffer la blatte de paille. Hein. Allez là, bouffe la blatte, putain. Donc voilà, donc là, on se retrouve. Sortie de Gerberoy où il fait vraiment, où c'est vraiment un très très beau village. Donc là je me suis arrêté juste parce que voilà, j'habite pas loin. Donc c'était la. C'est l'opportunité de te montrer le village un petit peu, donc je l'ai fait. Et regarde-moi ça, comment c'est joli le Pays de Bray. Avec son brouillard extraordinaire. Regarde-moi ça, le Pays de Bray, comment c'est joli. Tu vois. Et là, tu vois, derrière moi là. Alors moi là t'as Gerberoy, bon bah c'est par là Gerberoy, hein. C'est le petit village qui est là, je sais pas si tu le vois, il est là, juste au-dessus de ma tête. Ouais, non, il est là-bas. Excuse-moi, c'est là-bas. Donc ça c'est Gerberoy. Donc là on est parti, on va finir la sortie, il reste une heure et quart à peu près. Attends, les lunettes sont malises depuis tout à l'heure. Donc une heure et quart à peu près, une heure et quart de vélocité, on va rentrer avant qu'il pleuve parce que j'ai l'impression que bah tu vois comme tu peux le constater, c'est assez. C'est assez nuageux, donc on est parti pour finir la sortie, et puis demain ce sera repos. Donc voilà, il est beau, hein, il est beau, hein, il est beau le Garenne, hein, il est beau le Garenne. Ciao, à tout à l'heure pour la fin de sortie. Ouais, les amis, sortie terminée, donc une très bonne sortie, retour au barcail. Ah, j'ai cru que j'avais crevé, tu crois toi? Et si j'ai l'impression d'être crevé, c'est que je suis fatigué déjà, elle commence bien la saison. Bon, plus sérieusement, retour au barcail, vélocité 2h, vélocité terminée, une semaine qui se termine super bien. Donc une très bonne semaine, une bonne semaine de reprise. On a essayé de faire ça au mieux. On va se retrouver la semaine prochaine pour la suite des événements. La suite des événements avec une semaine programmée par mon entraîneur. On va essayer de la respecter au mieux. Après 2 semaines de coupure, je le redis, mais la semaine de reprise a été par 3 journées de vélo. On a fait 3 journées de vélo dans cette semaine de reprise. On a fait des séances de musculation. On remet la machine en marche doucement. À commenter, à liker, à partager tout ce que tu veux. À t'abonner. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Fais attention si tu roules. Bye.